Ça, c'est le premier step. C'est le lac de Pessoa avec son restaurant. C'est un peu le lac commercial, on va dire, parce qu'il y a un accès par les pistes qui arrivent ici. Ouais. Les prochains là, qui vont être plus loin, c'est que en rando. Donc, c'est que simple. Pour nous, quoi. C'est que pour nous, quoi. Pas l'impression qu'on va être dérangé. C'est par là qu'on va. Par là. Là, ça fait une petite heure et demie qu'on est parti du bas de la station et on est dans le cirque d'Envalira, donc on est à peu près au milieu du cirque d'Envalira. C'est un endroit où il y a ce qu'ils appellent les lacs de Pesson. Il y a un premier lac en bas qui est un lac au bord des pistes. Et ensuite, comme on peut le voir, là, c'est plein de petits lacs qui se superposent jusqu'en haut. Et ouais, c'est un endroit pour moi grandeur nature. C'est vrai qu'on se sent bien et c'est un kiff à chaque fois qu'on vient ici, que ce soit moi seul ou avec ma famille ou mes amis. On kiffe, quoi. La montagne, depuis toujours, ça a été un peu une éducation avec mes parents et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Et là, par exemple, après 3 semaines de tournoi, bah, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir rentrer à la montagne, bien dormir dans mon lit et voilà, me ressourcer tout simplement, tu vois. Et ça reste des moments, je trouve, un peu privilégiés et tu te retrouves seul, t'as plus cette pression, t'as plus ces demandes. Voilà, c'est vraiment un endroit ici où je me retrouve avec moi et moi-même, ou ma famille, et ça me permet vraiment de couper et de recharger les batteries. Ça, voilà. c'est ton antre. C'est mon petit chez moi. Et c'est, voilà. Ce qui est étonnant quand on fait ses premiers pas dans ta maison, c'est que c'est pas tout petit, mais c'est pas tout géant non plus, quoi. Tu n'étais pas dans un machin qui fait 800 mètres carrés, quoi. C'est mon petit coin cocooning, quoi. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, il y a 3 ans dans cet appart, c'était tout à refaire. Et vraiment, le thème, c'était cocooning montagne. Et c'est sur ça que je me suis basé. Voilà, c'est plutôt bien réussi, en tout cas, moi. Il y a un petit objet déjà qui parle beaucoup d'une des passions que tu as, ouais. Qui est par là, c'est cette petite miniature là. Ouais, bah ça en fait c'est quand j'ai acheté ma première voiture, donc la GT3 RS que j'ai toujours, c'est Yann, chez qui on va passer tout à l'heure, qui a le garage ici en Andorre, qui m'a offert ça en souvenir vu que c'était ma première belle voiture. Voilà, c'est lui qui m'a offert cette voiture et du coup elle est là depuis toujours et c'est vraiment la réplique de la voiture que j'ai à la maison. Avec Sam qui est là. Et en fait, pour l'anecdote, en fait, c'est l'année, ma meilleure année sur le tour européen. Et en fin d'année, en fait, je me suis demandé comment je pouvais juste remercier mes parents depuis le début avec un souvenir qu'ils garderont toujours. Et en fait, c'est Rémi Bertoche qui se tient en bas à droite là et qui fait plein de très très beaux tableaux. Et du coup, je lui ai demandé s'il y avait moyen qu'il me fasse 2 tableaux pour mes parents en termes de cadeaux, tu vois. Et en fait, au final, ma mère a le départ du 18, mon père a le second coup du 18. Et moi, au final, je m'en suis acheté un aussi. Et j'ai pris le premier coup du 14. Donc voilà, c'est des souvenirs. Et c'est vrai que c'est des super souvenirs parce que c'était mon premier British Open en tant que pro. En plus, sur un parcours mythique qui était incroyable. Donc non, franchement, c'était juste histoire de marquer le coup et aussi de remercier mes parents avec quelque chose qui resterait, quoi. Tu nous emmènes où là, Romain? Là, on va dans un endroit que j'adore aussi en Andorre, un beau garage. C'est ça le garage, Romain? Non, ça c'est chez nous, c'est notre garage à nous. Mais il y a deux trois trucs. Parce que ouais, je te connais un peu moto trial, je te connais un peu sport mécanique.
et nos joujoux d'Andorre. Donc voilà, bon, il y a mon 4x4, là il y a le Jeep, ça c'est vraiment hiver. C'est notre voiture qu'on utilise vraiment l'hiver. Et voilà, ça c'est le joujou de papa et de Romain. C'est, voilà, c'est le buggy. Là c'est la Carrera d'Alibaba 2. Voilà, donc là c'est là qu'on range nos joujoux d'Andorre. Donc voilà, il y a mon vélo. Là il y a le motocyclette. Et puis voilà, il y a mes skis. Donc ça c'est mes skis de rando avec mes chaussures de rando. Et là-bas il y a mes skis de piste avec les bottes de trial, les affaires de trial. Et au fond c'est les roues du buggy avec les clous pour la glace. En fait t'arrêtes pas ici, on est d'accord, non, c'est sous un moto. Nature à fond, ouais. Bah vraiment, enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de quoi s'ennuyer, quoi. Le terrain de jeu est grand. Et j'adore le golf, mais j'adore aussi la montagne et les autres sports, donc ça me permet vraiment de profiter un max et voilà, me ressourcer encore une fois. Les bagnoles, tout ce qui fait un peu vroom vroom, tout ce qui va vite, ça a toujours été ton ouais, truc. Ça a toujours été une passion, que ce soit de mon père, mais ouais, ça a toujours été une passion de toujours. Et bah, c'est vrai qu'un de mes premiers achats, ça a été ma voiture. Puis voilà, le fait d'être sous contrat avec BM, et puis voilà, juste même le plaisir, tu vois, de venir me balader, de regarder les nouveautés. Et puis bon, bah voilà, le buggy, le 4x4, tout ça, bah, ça vient d'ici. Donc, c'est devenu aussi des amis, Yann et son frère, et voilà, c'est des gens avec qui je passe aussi pas mal de temps en Andorre. Et donc là, s'il y en avait une qui serait la carotte ultime Bon, ouais, la 458 qui est là-bas. Bon, après, il y a plein de belles caisses, tu vois, qui sont là. Mais c'est vrai qu'une Ferrari, en termes de voiture de luxe et voiture de gamin que j'ai toujours voulu, ce serait plutôt ça. Ouais. Après, voilà. Là, t'as une GT4, t'as une M4 qui traîne par derrière. Il y a plein de. Franchement, j'aimerais que ce garage ce soit mon objectif ultime, c'est d'avoir un garage comme celui-là, hein. Que ce soit toutes les miennes, mais il n'y est pas encore. On est dans un petit golf 9 trous qui est dans les hauteurs d'Andorre. Là, c'est à 10-15 minutes de chez moi. Et voilà, c'est vraiment le petit golf qui est le plus proche de chez moi et qui me permet, comme on voit là au loin, là, il y a un petit practice en montée, donc ça me permet de faire mes gammes. Puis après, ici, c'est vraiment un endroit cool pour faire du wedging. C'est là où je viens et c'est aussi un endroit cool parce que tu vois, quand je joue avec mon père ou même ma belle-mère ou mes amis, on prend du plaisir parce que c'est facile, tu vois, c'est des petits trous avec max 80 mètres. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Rustique, mais simple, tu vois, simplicité. Et au final, bah, tu vois, les trous sont assez sympas. Là-bas, il y a le 18, enfin, qui est le 9 et le 18. Tu verras un trou avec un peu un obstacle d'eau, qui est le trou un peu fun du parcours. Et puis non, bah, c'est la simplicité, tu vois, mais ça résume, enfin, pour moi, ça résume bien l'Andorre, tu vois, c'est simple. Tu viens, t'es le bienvenu, ouais, les gens sont contents que je sois là, qu'on soit là les golfeurs. Puis voilà, enfin moi j'aime bien, franchement, je suis content d'être là quoi. Allez, sans trop de technification. C'est un peu comme un sport étude en Andorre et en fait à l'intérieur de ce bâtiment. Il y a vraiment des endroits spécialisés pour chaque sport. Et depuis un an maintenant, il y a un endroit spécialisé pour le golf avec Trackman et centre d'entraînement, donc canon pour nous.
Et ici, bon, bah, encore une fois, c'est un centre qui a été créé pour les sportifs de haut niveau en Andorre avec des mises à disposition de pas mal de choses qui permettent aussi de pouvoir nous faire du sport. Il y a des super installations. Et non, pour ce qui est du golf, bah, ouais, quand on est quand même en montagne, donc l'hiver, les mois d'hiver, ça permet de garder le contact avec le golf. Et mine de rien, aujourd'hui, avec la technologie, le Trackman et des bonnes balles, on peut arriver à garder un entraînement performant dans des installations comme ça. Donc c'est le minimum légal pour rester au contact. Voilà, donc là on est toujours au centre de technification et c'est aussi une salle là qui vient d'être complètement remaniée, donc elle n'est pas encore terminée, mais qui est à disposition donc des sportifs de haut niveau en Andorre et qui permet voilà, de pouvoir travailler. Donc là c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est que si David, mon préparateur physique, il veut ou on veut organiser un stage ici d'entraînement, on a les portes ouvertes. Donc ça c'est vraiment un plus aussi parce que bah, s'entraîner là où il y a aussi d'autres athlètes qui s'entraînent, c'est toujours motivant. Puis il y a la piste d'athlètes en bas, et puis il y a un terrain de foot juste derrière. Donc voilà, c'est vraiment une atmosphère sportive de dingue, quoi. Dans un des plus beaux points de vue d'Andorre. C'est vrai que c'est un des points de vue les plus où tu te sens le plus libre, quoi. Et c'est vrai que c'est un endroit où on aime bien venir. Ouais. C'est l'hiver, ski de rando et ski, et l'été c'est plus footing, trail et golf. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a de quoi faire ici, c'est la nature et c'est ce que j'aime. Ouais, c'est beaucoup de tranquillité. C'est vrai que je suis ici tranquille. C'est un endroit qui est peu connu des gens, et où en tout cas moi je me sens bien et où je m'ennuie pas.